Le stade Robert Champroux de Marcory a pris de nouvelles colorations ce jeudi 15 mai. Et ce, jusqu'au samedi 17 mai. Raison, la 5e édition du Salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire, dont les débats se développent cette année autour de la thématique sport, jeunesse, civisme. Au menu, démonstration, compétition sportive, initiation, table ronde, exposition permanente et un mini-marathon de la paix et de la cohésion sociale. En alliance sport et civisme, et faire en sorte que les jeunes puissent davantage être conscients de ce que les sports ne sont pas juste pour avoir de la sueur, pour transpirer. Ce n'est pas juste pour peut-être remporter un trophée ou améliorer une performance, mais c'est aussi pour devenir un citoyen responsable, un citoyen, je veux dire, respectueux des institutions, mais également respectueux des valeurs tout simplement qui font l'homme. Pour cette 5e édition, le Salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire a pour marraine sportive Namama Fadiga Nadej, gloire du handball féminin. C'est une réelle fierté pour moi et un honneur d'avoir été choisie comme marraine pour cette édition. Je suis très heureuse de voir une bonne mobilisation. Le bilan est déjà positif, c'est mon premier salon, mais il y en a eu 4 déjà avant. Et cela prouve que ça intéresse les gens et que ça prend de l'évolution. Organisé en collaboration avec le Conseil national de sécurité, le Salon des sports et loisirs veut ainsi mettre l'accent sur la sécurité humaine, un concept développé à travers la réforme du secteur de la sécurité. Ouvert par une cérémonie officielle, le Salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire devra aboutir ce samedi 17 mai à la signature d'une charte de l'éthique, du sport et du civisme.